Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Et vous asseoir, chers amis. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. D'Égypte, j'ai appelé mon fils. Après la mort d'Hérode, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: lève-toi, prends l'enfant et sa mère et pars pour le pays d'Israël, car ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais apprenant que Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, il le père de Siron. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, pour que soit accomplie la parole dite par les prophètes: il sera appelé Nazaréen. C'est par toi le Seigneur, son esprit. La Sainte Famille, comme un grand miroir que l'Église aujourd'hui nous montre.
Et toutes les familles doivent se regarder à travers la Sainte Famille. Oh, mais, au fond, Jésus était soumis à ses parents. Il dit, grandissez en grâce, en âge, en valeur. Moi, fils, dès que je ne joue pas de mon rôle. On dirait que je ne joue pas de mon rôle, surtout que le papa est devenu vieux. Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. Et moi, ça me fait très, très, très mal au cœur quand des personnes ont rencontré des soi-disant prophètes qui disent, mais le Seigneur m'a révélé ton papa. Mais Dieu, rien à son regard, c'était un vieux sorcier. Hein. Il veut te tuer. C'est l'accident que tu as évité la dernière fois. C'est lui. Dieu m'a révélé ça. Et puis quoi? On rejette ces pauvres vieux. On les abandonne. Nous sommes tous habitants. Les pauvres vieux, nos parents qui nous ont mis au monde traînent. Et nous attendons leur mort pour aller faire des funérailles grandioses. Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Celui qui glorifie son père verra de longs jours. Mon fils, soutiens ton père dans sa vieillesse. Fait-il que dès qu'ils deviennent vieux, ils se donnent un peu gaga, on les abandonne. Même si son esprit l'abandonne, soit du genre, c'est vrai qu'à une fois il oublie tout. Ah, tu es. Il oublie même ton nom. Parce qu'il est devenu vieux, ça peut arriver. Alors, reprenons nos parents. Regardons la sainte image de la sainte famille et reprenons comme la belle image qui nous a présentée, reprenons-la. N'écoutons pas ces personnes qui font en psychologie, qui font du noyautage, qui font tout pour isoler nos parents, pour mieux nous avoir, puis mieux nous avoir, parce qu'ils se disent, bon, si on les laisse comme ça, c'est pas bon, parce que l'argent qu'ils vont partager, le papa aura pour lui, la maman aura pour elle, et puis moi, le pasteur, moi, le Seigneur de Dieu, la femme, je sais ce que je vais faire. Ma mère sorcière, Dieu m'a révélé ça. Ton père sorcier, Dieu m'a révélé ça. Et puis on les laisse. À partir d'aujourd'hui, mes frères et sœurs, repartons vers nos parents. N'attendons pas qu'ils meurent pour faire des funérailles grandioses. Ils nous ont mis à l'école, nous avons réussi. Gloire à Dieu. C'est maintenant qu'il faut les aider. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Le sage Ben Sirach nous dit, celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants. Parce que demain tu es père, les enfants, alors souviens-toi. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si aujourd'hui vous délaissez vos parents, demain vos enfants vont vous délaisser, vous vous souvenez de ça. Ah, j'ai fait à mon père, je comprends. Et si je crache dans l'air, je rentre soit les bouches. Voici la parole de Dieu et les enfants, ça. Les enfants qui délaissaient vos parents, qui écoutaient vos pasteurs, vos illuminés là, qui vous trompent là, revenez vers vos parents, aimez-les, même s'ils sont devenus vieux, même s'ils ont perdu leur esprit, au contraire, ils ont plus besoin de nous. Mais dans une famille, il n'y a pas que les enfants, il y a les parents. Et là, la parole de Dieu s'adresse encore à nous. Revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, voilà les âmes de la famille. En regardant la Sainte Famille où nous avons la douceur de la Marie, la bonté de Joseph, le respect de l'enfant Dieu, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos familles il n'y a même plus d'humilité, il n'y a plus de douceur, il n'y a même plus de patience? On est nerveux, on se crie dessus, c'est des palabres à longueur de journée, et nos familles vont mal à cause de tout cela. À cause de quoi? Parce que Dieu n'est pas dans nos familles. La Sainte Famille, ce qui fait la France de la Sainte Famille, et Jésus Dieu, il est au cœur de la Sainte Famille. Dans nos familles, il n'y a pas Dieu. Et comme nous rejetons Dieu, et comme nous rejetons les paroles de Dieu, qui vient prendre la place? Celui qui divise. Celui qui inspire les paroles de guerre, celui qui inspire la haine,
Ta femme que tu aimais, dès les premiers jours, il y avait le beau soleil. Tu nous dis, chérie, tu es la plus belle. Toujours, tu es le plus beau. Les paroles ont disparu. À la place de ces belles paroles, qui faisaient la douceur, l'humilité, la joie, qui faisaient que la famille allait bien, ont disparu. Les paroles de guerre, maintenant. Je le dis souvent ici, on entend. C'est les assiettes qui volent en éclats. Vilain, comme une vilaine. Serpent, mais toi, tu es vipère aussi. C'est bien faire, comment tu sais quelque chose? Quand tu prépares ta sauce, on dirait de l'eau où je me bois dedans. Tu sais quelque chose? Tu me parles, tu ne sais rien de parler. Et puis, tu ne te contentes pas de parler dans ta maison. Tu vas au bar là-bas, au ruisseau, la femme me pourrit. Fatima me pourrit. Toi aussi, tu t'en vas dans ton salon de coiffure avec tes copines. Donc, je pensais que c'était le plus beau, le plus intelligent, le plus fourré. Partout, partout, partout. Mais arrêtons ça. Arrêtons de nous détruire comme ça. Mais restez dans vos chambres, parlez de vous, insultez-vous. N'allez pas en dehors pour exposer vos problèmes. Vous savez, je regardais un peu les vitraux de la basilique. Et hier, j'étais à l'adoration matinale et je regardais les vitraux de la cathédrale de l'extérieur. Mais c'était sombre. C'était sombre. On ne voyait rien. Mais il faut rentrer à l'intérieur de la basilique. Il faut rentrer à l'intérieur de la cathédrale pour voir la beauté des vitraux. Parce que le soleil brille et de l'intérieur, on voit. C'est de l'intérieur. Ne restons pas à l'extérieur pour juger nos familles. Pour juger notre père, notre mère, restons à l'intérieur, vous verrez la beauté de ce père, la beauté de cette mère, la sagesse de cet enfant. Mais on va de l'extérieur, comme les gens qui de l'extérieur jugent l'Église. L'Église est trop sale avec tout ce qu'ils font avec les prêtres, avec le pape, avec les évêques, avec n'importe quoi. Et c'est de l'extérieur qui nous juge. Ils sont là, avec tant de statues chez eux, mais c'est de l'extérieur qui nous juge. Mais nous, de l'intérieur, nous voyons la beauté de notre mère Église. À partir de l'intérieur, vous allez voir la beauté de votre mère. Mais qui vous portait, papa étant mort, mais qui faisait tout pour vendre à l'école, pour vous mettre à l'école, pour vous éduquer, même si quelquefois ils sont dus, de l'intérieur, on découvre la vraie mère. Ceux qui ne vous connaissent pas vont juger votre mère. Ceux qui ne vous connaissent pas vont juger vos pères, mais de l'extérieur. C'est sombre, les vitraux qu'on voit, c'est sombre. Mais de l'intérieur, on voit vraiment la beauté. Revenons à la maison. Ne restons plus à l'extérieur pour juger nos parents. Ne restons plus à l'extérieur pour juger nos enfants. Et papa, maman, cessez aussi, hein, vos paroles. Vous savez, la parole est une force. Hein. À force de dire à un enfant, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien, mais toi, tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Mais effectivement, un peu comme l'eau qui tombe, goutte à goutte, ça fait briser les rochers. Mais vous le brisez, je ne vois rien. Moi-même, je vois rien, puis vous êtes surpris après que l'enfant, du maître, ne peut pas plus. Et des paroles de bénédiction, je vous en prie. Des paroles de bénédiction, si nous voulons que nos familles vont bien. Aujourd'hui, nos familles ont des difficultés. Tout simplement parce que Dieu n'est pas dans nos familles. Nous avons mis Dieu au dehors. On ne prie même plus ensemble. On ne prie même plus ensemble et dit la parole de Dieu. Vous avez entendu ces beaux conseils de Ben Sira, de Saint Paul et de Jésus-Christ lui-même. Dieu nous inspire. C'est vrai. La famille, c'est le lieu où nous trouvons deux lits. Le premier lit qui nous permet de venir au monde, le berceau. Le dernier lit est dans le lit mortuaire où nous quittons ce monde. La famille, c'est important. Ceux et celles qui les vivent en famille, je vous en prie, à la lumière de cette fête d'aujourd'hui, revenant du nom de la force. C'est le lieu où nous naissons, c'est le lieu où nous mourons, et c'est le lieu où nous venons dans le monde, c'est le lieu où nous quittons le monde. La famille, c'est important. On pourrait dire, comment c'est la famille?
la faim et la famine. Ô Sainte Marie de Jésus, Marie-Joseph, vous nous êtes donné un modèle aujourd'hui. Regardez nos familles qui vont très mal. Nos familles ont d'énormes difficultés. Il n'y a plus d'entente. Il n'y a plus de dialogue. Chacun vit pour soi. Jésus-Marie, Joseph, vous qui constituez la Sainte Famille, où il y avait l'harmonie, la joie, le bonheur, parce que Dieu était là, Jésus. Fait que désormais, à partir de cette fête, nous laissons entrer Dieu dans nos familles. Voici que je me tiens à la porte que je frappe. Dieu frappe à la porte de nos familles. Ouvrons la porte, laissons-les entrer. Alors l'amour va exister. Alors l'humilité va exister. Alors l'entente va exister. Et cela fera que nos familles seront solidement bâties sur l'amour. Sans l'amour, rien ne va. Que nos familles vivent dans l'amour de Dieu. Je souhaite beaucoup de bonheur pour nos familles et je prie aujourd'hui pour les papas malades, pour les papas en exil, pour les mamans malades, pour les mamans abandonnées. Je prie beaucoup aujourd'hui pour les veufs, les orphelins qui sont quelquefois isolés et rejetés. Je prie pour des familles qui quittent leur pays en exil sur les routes de migration qui meurent dans les océans, qui meurent dans les déserts. Les familles peuvent des pays qui sont bombardés, les familles sont disloquées à cause des bombes. Seigneur, je te prie pour toutes ces familles qui souffrent, fait qu'elles retrouvent la joie de vivre, parce que le temps passe et que la famille soit ce lieu où les enfants naissent, grandissent, où ils meurent et qu'ils retournent vers toi, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Pour que la Sainte Famille de Dieu, que nos familles soient ton image, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête, les amis. N'ayez pas peur, même si c'est difficile pour nos familles, je sais que c'est difficile. Tu sais qu'il y a des familles qui n'arrivent pas à avoir les trois repas par jour. Je sais que le chômage fait que les difficultés se viennent, je le sais. Mais unis, nous sommes forts, soyons unis, respectons nos parents. Les parents, respectez vos enfants. Cessez de maudire vos enfants, au contraire, vous les bénir. Ils vous ont blessé, ne dis pas toi, tu ne vas jamais te marier. Toi, tu ne vas jamais réussir, vos paroles agissent. Alors que Dieu nous donne la parole de sagesse. Jésus-Marie-Joseph, la Sainte Famille, disons notre foi, ce Dieu qui est famille et qui nous rassemble en famille. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant en cette fête à cette famille, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Ensemble, prions le Seigneur. Amen.